suis la sœur Dorcas de l'église Calvaire Centre Chrétien. Vraiment, nous étions tellement bénis et ça nous a vraiment permis de savoir beaucoup de choses, peut-être que beaucoup ignoraient. Mais grâce à cet enseignement que nous avons pu découvrir tant de choses, et ça nous a aussi appris comment vivre en famille, comment vivre avec les autres. Et les autres aussi qui avaient peut-être certains conflits, ils ont quand même pu faire des efforts pour arranger et de vivre en harmonie avec les autres. Vraiment, que le bon Dieu vous bénisse. Vraiment, il y a eu tant de choses que nous avons pu accueillir en tant que maman d'une maison, en tant que femme d'une nation, de savoir comment gérer la maison, comment gérer une famille, comment gérer les enfants, comment contrôler les enfants, comment aussi vivre avec papa à la maison, parce que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous avons pu vraiment découvrir beaucoup de choses et nous avons appris beaucoup. Que le bon Dieu vraiment bénisse tous nos pasteurs qui ont pu vraiment travailler arrache-pied pour prier et écouter aussi la voix de Dieu pour qu'ils puissent venir donner ce que vraiment le peuple de Dieu entendait. Vraiment merci, nous vous remercions. Le message final que j'ai pour tout le monde qui nous suit en ligne, partout, vraiment nous vous appelons. Si vous avez du temps, venez nous rejoindre au Calvaire Centre Chrétien. Nous réunissons ici chaque dimanche à partir de 12h45 jusqu'à 14h45, plus ou moins 15h juste nous terminons. Si vous venez, en tout cas vous serez vraiment bénis parce que il y a d'autres choses. Si vous restez à la maison, vous n'allez pas entendre ça. Mais vous, si vous êtes sur place, vous allez écouter d'autres choses peut-être que vous n'avez jamais écouté. On dit l'union fait la force. Et lorsque nous sommes ensemble, nous prions ensemble, l'Esprit Saint agit aussi autrement. Donc nous vous appelons vraiment, venez, venez, venez nombreux. La semaine prochaine, nous commençons une semaine de jeûne. Il y a d'autres choses que vous avez beaucoup prié, mais vous n'avez jamais eu la résolution. Avec les jeûnes et prières, d'autres choses, vous pouvez avoir des réponses. Nous vous demandons vraiment partout, là où vous êtes, même dans vos milieux de travail, vraiment, venez vous connecter et jeûner. Donnez vos sujets à Dieu. Soyez concentrés et Dieu fera des grandes choses dans votre vie.